Donc pour la résorption au niveau du dos du pied, le kiné est toujours au pied du patient. Sa main interne va servir de contre-appui, ici sous la plante du pied, alors que la main externe va travailler sur le dos du pied, là où il y a l'édème. Donc la main latérale va attaquer du bord ulnaire en cherchant à repousser l'édème vers la proximalité et en coiffant ici le dos du pied en diagonale. En fait, on va travailler vers la malléole interne, ici. Donc toujours, on écarte le coude pendant la manœuvre, on commence bord ulnaire, coude au corps, et ici, vers la pince poutée index, en écartant le coude. Et on cherche à pousser la peau ici, comme si on souhaitait enfoncer le talon dans la table.